Bonjour à tous et bienvenue chez Mox. Alors, vous savez très bien que j'aime faire des défis dessins étranges. Aujourd'hui, on se retrouve sur DrawSize, jeu de dessin en ligne. C'est sûrement un Pictionary en ligne. Pourquoi pas? Et si on tentait? Et si on créait mon truc? Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme pseudo? Hop, ça me paraît bien. Ensuite, en personnage, laissez-moi dézoomer. Ok, le dézoom ne sert à rien, mais c'est pas très grave. Robots, animaux, chiens, chats, monstres. Ah, voilà, basique. Oh, regardez, il y a Brigitte. Brigitte en trois fois. On peut avoir tous les skins de Brigitte. Pourquoi il sépare animaux, chiens et chats? Parce que c'est des animaux domestiques, probablement. Ouais, t'as raison, Mox. Je vais prendre lui, il a l'air très gentil. Oh, on peut modifier. On peut dessiner sur lui. Super. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire? On va lui faire les yeux rouges. Ouais, let's go. Et si je lui faisais un tatouage facial, genre? Alors, je sais pas ce que je fais en tatouage, hein, du tout. Voilà, c'est un rappeur de SoundCloud. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Attendez, et il manque un truc. Et un en argent aussi, qu'on voit pas forcément. Bon, pas grave. C'est très bien comme ça. Et si on allait jouer? Lilith et l'artiste. L'artiste est en train de choisir un mot, ok. Est-ce que je suis censé écrire avec ma souris ou avec mon clavier? Ça, c'est une autre histoire. Escargot, ça marche. J'ai deviné, oui. Boss a deviné aussi. Florian, Jessa, Cameron, bien joué les gars. Vous êtes trop fort. Tartiflette est troisième. Ok, c'est cool hein, quand même. Allez, I don't know. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Montre-nous ton talent. C'est une grenouille. Let's go, premier. Quoi, ours? Florian, t'es sérieux? Ours? De où? C'est un ours? Un ours vert. Chauve-souris. Florian, ressaisis-toi. Même Cameron, il a trouvé. Ben voilà, Flo, c'est bien ça. Tartiflette passe deuxième. C'est génial. Allez, Jessa, montre-nous ton talent. Pomme de terre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est réponse? Qu'est-ce que tu nous dis là? Infirmière. Oh. Docteur? Qu'est-ce que... Comment ça, mon orthographe est pas bonne? Il fallait mettre un accent. Tu te fous de moi. Ok, bon, c'est mon tour. Palmier. Allez, qui n'a pas deviné là? Qui n'arrive pas à deviner ça? Hein? Qui n'arrive pas? Hein? Vous savez pas? Vous abusez. C'est bon, ok. Tartiflette, toujours dans le top 3. Parfait. Va falloir que je me rappelle qu'il faut mettre les accents, sinon ça marche pas. Vous en conviendrez avec moi, c'est un peu débile. Facile. De quoi? Lapin. Cameron, tu dessines trop bien, mec. Bon, le nez rouge par contre, pas pareil. Tartiflette, deuxième. Let's go. Yit. Qu'est-ce que tu nous fais? C'est quoi? C'est un crabe? Non, c'est Pac-Man. Fromage. C'est quoi? C'est une orange. Ah, je sais pas écrire. Pizza. Trailleur. Je me suis fait par Cameron. Toujours dans le top 3. Bon, merci, Jessa. Boîte, maison, tableau, peinture, cadre. Tu vas pas venir, c'est aucun des trois. Photos, dessin. Quoi? Famille? C'était quoi? Image. Ok, super, génial, magnifique, époustouflant. Rejouer. Il y a que 5 personnes dans le monde qui jouent sur ce site, on dirait. Sushi, appareil photo. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, il y en a un qui a deviné? C'est quoi, c'est une maison? C'est... Mais comment ça, il y en a 3 qui ont deviné ça? Comment? Caméra. Tu te fous de moi? C'est pas une caméra, ça. Yit, montre-nous ton talent. Ouh, il gratouille son crayon. Ouh là, ça gratouille. Le chicken scratch est réel. Et sharp. Oh là là, il faut mettre les accents, c'est vrai. Donc, tu vas me dire que j'étais le premier à deviner ça, alors qu'il y en a qui ont deviné caméra, alors qu'il y avait rien qui montrait que c'était une caméra. Je comprends pas. Je dois pas avoir le même cerveau que ces gens-là. Ok, bon, je passe quatrième, c'est déjà pas mal. Allez, Cameron. Alors, baleine, poisson, avion, requin. Let's go! Premier à avoir trouvé ça! Trop fort. J'en reviens pas quand même qu'ils ont trouvé caméra et que moi j'ai pas trouvé. Je trouve des mots avant eux que eux ne comprennent pas. Je sais pas. C'est trop bizarre pour moi, là. Allez, Flo. Allez, tu peux le faire. Okay. Qu'est-ce que tu nous fais là? Pain, c'est pas du pain. Oula, on dirait le mec cramé dans Bob l'éponge. Carrosserie, je sais pas. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est moche. Chauffeur. Ok, je peux comprendre. On va faire un crabe. Let's go. Trop fort à faire des dessins en fait. Je ne vais pas me reposer sur mes lauriers. C'est un seau. Eau. Très bien, très bien. C'est juste de l'eau quoi. Donc le mec il avait le choix entre 3 mots, il a choisi eau. Il s'est dit je vais faire un truc bleu, ça va être bien. Je pense pas que les gens qui viennent sur ce site ont envie de dessiner. Ils ont juste envie de s'amuser, ce qui est en soi bien en vrai. C'est un bon concept, hein. C'est Pictionary quoi en fait. Ça casse pas 3 pattes. Un canard. Qu'est-ce que tu nous fais là? C'est un fouet, c'est un martinet, c'est un cocotier, c'est un oranger. Orange, fruit, noix de coco. Ok, ouais, super. Noix de coco orange. Let's go, la noix de coco orange. C'est pas possible. Quoi, vous avez... Non, laisse-moi tranquille. Je veux pas rejouer avec eux. C'est un peu frustrant. Ok, y a pas que 5 personnes qui jouent dans ce monde. Spider nul, c'est mon ennemi. L'artiste est en train de choisir un mot. Qu'est-ce que ce sera, Spider? Montre-nous l'étendue de ton talent, Spider. Cheveux. Il gomme. Rasé. Je sais pas. C'est quoi ça? C'est des bouffes ou quoi? C'est quoi? Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Pourquoi y a un trait qui part de sa tête comme ça là? Spider nul. Qu'est-ce que tu nous fais? Jambes. Humain. Comment ça, y en a un qui a deviné? Oh là là. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Tu fais des personnes. Ouais, ok. Jumeaux. Pourquoi t'as choisi ce mot-là aussi? T'avais le choix entre 3 mots? C'est pas possible. Vase, fil rouge, vase,
jarre, fiole, bouteille, ketchup, let's go. Nicole a signalé l'artiste pour raison suivante, écriture de lettres. Ah, ok, ouais, j'avoue que c'est limite, hein. T'aurais pu faire autrement. Allez, tartiflette, troisième, on vise la première place. On va y arriver, 40 points, 31, c'est pas si loin, ça peut le faire. On utilise du gris, hein. C'est un verre, ça, verre à vin. Let's go, premier, bam. Pourquoi t'as choisi de mettre du vin déjà? Pourquoi le premier dessin qui te vient quand tu vois le mot verre, c'est du vin? C'est un verre à vin rempli de vin et un verre d'eau, on va dire. T'essaies de te rattraper, c'est ça, Nicole? Je sais très bien ce que tu fais pendant ton temps libre, Nicole. C'est pas comme ça que tu vas. Comment ça, Kitty? Bière. C'est pas possible. C'est pas possible. Lumpy Space Princess. Un bol. Soupe. Let's go. La bonne souplette. La bonne soupe au potiron. J'aime bien la couleur du bol, tiens. Assez complémentaire les couleurs en plus. C'est quoi les petits trucs rouges là dans le bol, hein? Moi, je veux pas trop savoir. Tartiflette, let's go. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire, Lala? Alors, une vague rose, ok. Qu'est-ce que... Décide-toi en fait. Ah, tu voulais pas dessiner en rose, c'est ça? C'est quoi le problème? Une gomme? Gomme. Boum. Voilà. T'avais peur de faire une gomme? Alors que c'est littéralement le truc le plus simple à faire. Tu prends du rose et tu prends du bleu pour faire une gomme? C'est pas possible. Les jeunes de nos jours, ça va plus, hein. 130 points, je pense pas qu'ils vont réussir à m'attraper, hein. Kitty, allez, let's go. Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est? Verre de terre. Saucisse. Bateau. Cigare. Maison à l'envers. Champignon à l'envers. Comment ça? Il y en a un qui a trouvé? Bateau. Chapeau. Je sais pas écrire. Non, j'ai fait quoi? Non, je suis où? J'ai perdu le fil. J'ai fermé le site. Comment j'ai fait? Non. Purée. J'allais gagner en plus. C'est pas possible. Bon bah c'est sur ce joli Let's Build From Here que on se quitte malheureusement. Je suis désolé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je voulais appuyer sur le retour arrière parce que je voulais modifier ce que j'avais écrit, mais bon, j'étais sur le point de gagner, mais malheureusement je donne ma victoire à quelqu'un d'autre. Je ne saurais jamais qui a gagné, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu sur ce petit site marrant. Si vous en voulez plus, dites-le moi. En tout cas, je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aimer si vous avez apprécié ce petit combat de titan pour arriver à la première place. Et abonnez-vous si vous en voulez plus. Il est temps pour moi de rendre l'antenne, c'était Mox. Merci de votre attention. Je sais très bien ce que tu fais pendant ton temps libre, Nicole.